Pierre Girard, alias Pierre, a un rituel depuis le début de la période de confinement. Le matin à son atelier, il réalise une illustration qu'il affiche bien en vue dans son quartier. C'est un dessin qui se dit « ça va bien aller » avec un arc-en-ciel, soit un jeu de chat ou de monstre. Un petit dessin comme ça que je fais, là, pour le fun. J'en ai peut-être fait une dizaine à date, là. Le nom d'artiste Pierre le suit depuis ses débuts comme illustrateur. Ben, mon nom, c'est Pierre. Et c'est un jeu de mots avec Pierre, comme Pierre, qu'est-ce que vous avez fait? Pierre, la game de hockey était comment? Ben, il n'y en a plus. Pierre a illustré une cinquantaine de livres en 18 ans, dont trois qu'il nous recommande particulièrement en cette période de confinement. Avec les enfants, je recommande le Pierre à colorier. Et c'est un merveilleux livre à colorier que autant les enfants que les adultes vont pouvoir trouver des dessins de tout genre. Pour les amateurs d'expériences scientifiques, c'est la collection Les neurones atomiques chez les éditions Multimonde. Il y en a 12 en ce moment. Ce n'est pas des expériences qui nécessitent beaucoup de matériel. Et comme dernier livre, c'est un roman plus pour adultes. C'est un mélange de le monde de super-héros rencontre l'univers de Boris Vian. C'est une histoire d'amour. C'est un roman, un petit roman d'environ 150 pages. C'est très bien, mais c'est des super-héros qui ont des pouvoirs un petit peu super, je change d'humeur à la vitesse du son. Super, tout le contraire. Super, je tente ma chance. Alors, c'est des super-pouvoirs un peu niaiseux. L'humour a toujours fait partie de l'univers graphique de Pierre Girard. C'est un humour qui peut plaire autant à des adultes que des enfants. J'aime plus ou moins faire des décors, j'en fais rarement. Je veux tout le temps mettre l'accent sur le personnage. J'ai tout le temps comme une ligne d'horizon aussi qu'on voit juste à plat. Alors, ça, c'est une référence à Jean-Paul Lemieux. On surveillera bientôt la sortie de son deuxième livre à colorier. Entre-temps, l'artiste nous suggère de rencontrer... Pour la suite de la chaîne culturelle, je nomme Estera Preda.